El tiempo está llegando, llegando. Unamos nuestro enojo, enojo. Cultivemos otra tierra. Cultivemos el mismo sueño. Hola. Alors, comme on avait convenu, 636 dollars. Si, si, c'est bien. Merci. Comment puis-je vivre si les acheteurs de mon café me paient seulement 636 dollars quand je paie plus seulement pour produire? J'ai une famille, mes enfants veulent aller à l'école. Comment puis-je payer les livres, le linge, la nourriture si je reçois seulement 636 dollars? Bonjour. Salut. C'est pas quoi? Non. L'OTP m'a encore vendu sa récolte pour le même prix que l'année passée. Fait que ça va faire 1272$ pour le café. Bon prix. C'est bon. Merci. Je suis conclu. Bureau d'importation Lévi-Trottier, bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Bennett, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît. Nous transférons votre appel. Oui, bonjour, Monsieur Bennett. Un appel pour vous sur la 2. Merci. Un petit exploité, deux petits exploités, trois petits exploités. Oui, allô? Bonjour, le café du Nicaragua est prêt. C'est le café de qualité standard, là. J'attends une transaction de 1734 $. C'est correct? Très bien, merci beaucoup. Salut. Ah, j'ai un message. Bonjour, ici Juliane de FedEx. Vous avez une cargaison prête à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Elle devra être prise au courant de la journée sinon des frais seront ajoutés. Le numéro de commande est le F355-202. Bonjour monsieur. Ça va faire 9 Vous vous souvenez du montant que le producteur a reçu? $636. Ce montant est passé de 136 à 72 000 $, un montant qui est bien entendu divisé parmi tous les consommateurs. Ce prix est 113 fois plus gros que le prix que le producteur a reçu. En d'autres mots, le producteur n'a même pas reçu 1% du prix payé par les consommateurs. On parle ici du salaire, mais ce n'est pas tout. Nombre d'enfants travaillent pour ces compagnies à ramasser du café et cela représente des conséquences à long terme très graves, car s'ils travaillent, c'est qu'ils ne peuvent pas aller à l'école.